All right. Number one. This is making so much sense to people our age. It is almost too perfect. Okay, le truc c'est que il y a beaucoup de monde de notre âge qui se rend compte de l'opportunité, mais c'est pas encore parfait. We're drinking products we already spend money on. De manière courante, on achète des produits, on boit des boissons, et donc on dépense de l'argent dans tout ce qu'on consomme. In the most socially connected generation that's ever lived. Et donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est la génération la plus connectée au monde. That's gonna pay us to drink it and share it. En gros, on va être payé à boire et à partager. At a time was one of the worst economies we've ever seen. Et ça c'est tout simplement une révolution que l'économie n'a jamais vue. Non, il ne disait pas ça. Il disait c'est que dans un temps où l'économie est dans la pire crise. For the US, on n'a jamais vu. For Europe also, but maybe not in Switzerland. I don't know about Switzerland. So, if you're wondering if you have the skills to be successful in this, if you could make money in this, and if you could do well. Si vous vous demandez si vous avez des compétences ou des savoir-faire pour très bien réussir là-dedans. I can prove right now to every single one of you in this room that all of you can be just as successful as everyone here. Et puis il peut vous prouver maintenant que n'importe qui d'entre vous pouvait être aussi successful que nous. So if we're playing a game of basketball and I beat him, which I would. On a joué au basket ensemble et and he sees me wearing this Jordan shirt and then he goes, wow, you play good ball, and he buys this Jordan shirt. Nike pays me no money. Ok, mais du coup après comme je jouais très bien au basket et que j'aimais beaucoup son pull, j'ai été acheter le même pull que lui, donc c'est-à-dire que dans un sens il a vendu un produit pour Nike, mais Nike ne l'a jamais payé pour ça. Now he's got the shirt. And then you see it, and you think he looks awesome. And you buy it. Now you have the shirt. And you have the shirt. And all from me, originally, 10,000 people now buy this. Ok, et du coup, moi, si après, je viens vous parler à vous tous là, et que vous aimez tous le pull, et que vous allez tous acheter le pull, et bien au final, grâce à moi, donc au final, grâce à lui, et bien Nike a vendu plein de pulls, mais ne l'a jamais payé pour ça. Nike made massive amounts of money from that, and we got paid nothing. Et ben Nike, voilà, ils ont fait beaucoup d'argent avec ça, mais on a rien touché de tout ça. And that's bullshit. So just to make sure, raise your hand if you ever eat at restaurants or bars. Si vous avez déjà mangé au restaurant ou si vous avez déjà été boire un coup dans un bar, levez la main. Okay. Raise your hand. If you ever go see movies, maybe with a girl. Est-ce que vous avez déjà été au cinéma? Or a guy. All right, here's my favorite one. Raise your hand if you wear clothes. Si vous portez des vêtements, levez la main. Okay. So if you go to restaurants and tell your friends about it, you go to movies and tell your friends about it, or you wear clothing brands and tell your friends about it, you're doing the same thing your friends are doing in Vima right now, but it doesn't pay you any money. Donc si vous avez été au restaurant, si vous avez été au cinéma ou si vous portez des vêtements et que vous en parlez à vos potes, vous faites exactement la même chose que ce que vos potes qui font Vema font, sauf que vous n'êtes pas payé pour ça. Now, I'm not sure about Switzerland. I don't know your guys' economy as well. This is the first time I've been to Switzerland, which is fucking awesome. But in the United States, voilà, il connaît absolument rien à propos de la Suisse ni à propos de l'économie en Suisse, mais bon, il trouve ça quand même génial. Mais aux États-Unis, young people in the United States are starting to realize that our parents are lending money that they don't have. Que les jeunes en fait aux États-Unis se rendent compte que leurs parents en fait empruntent de l'argent qu'ils n'ont jamais. And the money they're lending that they don't have is for degrees that we have no idea how we will ever be able to pay back. Et justement, tout cet argent qu'ils empruntent, en fait, c'est pour que leurs enfants puissent aller à l'école et puissent passer des diplômes. Mais ils ont aucune idée de comment ils vont faire pour rembourser leurs parents ou de comment ils vont tirer le plus de profit de ces diplômes. And it's because it's preparing us for jobs that don't even exist anymore in America. C'est parce qu'en gros, tous ces diplômes, ça les forme à des travails qui n'existent même pas aux États-Unis.
insanity is doing the same thing over and over and over and over, but expecting a different thing to happen. Exactly. Yeah. Bon. Crazy. Being crazy. La folie. La folie, pardon. En gros, c'est de refaire tout le temps la même chose en espérant qu'il y ait un truc différent qui se passe à chaque fois. Now, it started in the US. Young people starting to realize, okay, let's take the money we spend on blank and let's buy something healthier. All we're doing is transferring our dollars. Okay, et dans le moment, en fait, donc les jeunes aux États-Unis, ils se rendent compte que bah, au lieu de dépenser leur argent dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour eux, ils vont dépenser dans quelque chose qui est meilleur pour eux. But what happened was what's called YPR, Young People Revolution, which is a revolution of young people doing something different. Et donc justement, ce qui se passe, c'est ce mouvement YPR, donc Young People Revolution, de jeunes qui font quelque chose de différent. Because all of us are looking for something different. Parce que chacun d'entre nous, on cherche tous quelque chose de différent. Every single one of us, all of us, since we were little kids, wanted to be a part of something that was bigger than ourselves. Depuis qu'on est tout petit, on a toujours voulu faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus gros que nous. But when you're young, you're told to fit in the mold, do the same thing every day, and just do what everyone else does, and stay quiet and shut up. Sauf que bon, bah, quand on est petit, rien que le fait d'aller à l'école et tout, bah, on dit toujours un petit peu de rester un petit peu dans le moule, de faire un petit peu ce que tout le monde fait, et puis voilà, point. Fermez sa gueule. If you want to spend the next 40 years of your life doing the same thing, 40 hours a week, every single day, and make barely any money doing that, what we have to offer is not for you. Okay, donc si pour vous, si vous voulez pour vos 40 prochaines années, c'est d'avoir le même travail, d'aller travailler 40 heures par jour et de toujours avoir le même salaire, là on a une offre pour vous, mais ça ne vous intéressera pas. But if you want to be different, if you want to plant your feet in the ground, form your opinion of where this is going, and be strong in your opinion, then yeah, we can help you. Mais si justement vous voulez changer ça, si vous voulez justement un petit peu changer un petit peu votre vision des choses, un petit peu prendre votre vie en main, là par contre on aura quelque chose pour vous. But just like anything in life that's worthwhile, this will never be given, but this will always be earned. Ok, et en gros si vous voulez quelque chose dans la vie, on vous le donnera jamais, mais pour l'avoir, il faudra toujours aller le chercher. So, we flew over 6,000 miles to tell all of you two things. Ils ont traversé toute l'Atlantique et ils ont stew. Pour vous dire seulement deux choses. And to drink beer. Number one thing, like Nick already mentioned, out of everywhere in the whole world. Of young people realizing this revolution, it is growing the fastest in France and Switzerland. Okay, donc la première chose, c'est que déjà ce mouvement-là, ça se passe dans le monde entier, mais là où ça se passe le plus vite, c'est dans en France. To the extent where the Suisse. T'as oublié la Suisse, ouais. Pas encore la Suisse, pas encore. Au moment où vous êtes encore petit. To the extent where the CEO. Défi, hein. Where the CEO of the company, BK Barreco, and the number one income earner, Tom Elkazin, are talking to me on the phone and on FaceTime throughout the week, asking, what the hell is this team doing? En gros, il a carrément parlé avec le PDG de la boîte, et le mec, le numéro 1 là-dedans, qui gagne le plus d'argent, et ils ont simplement demandé, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe en France? So the first thing I want you to understand is that if you're new, the team you have here, the leaders, the system, the mentoring, is the best you will ever find. You cannot find better in the world. Donc en gros, voilà, il veut vraiment vous faire comprendre que si jamais ça vous intéresse, mais en fait, vous allez être avec les meilleurs leaders, avec le meilleur système, et avec les meilleurs mentors que vous ne trouverez nulle part dans le monde. Now, if you're on this team already, and you're in Vima, you have big shoes to fill.
Et si vous êtes justement déjà dans le MMA, vous avez de très très grandes choses à faire. And I've seen a lot of teams in the past 2 weeks. Every single day, I've seen multiple teams. Okay, ça fait 2 semaines qu'il voyage beaucoup et qu'il a déjà vu plein d'équipes. And I'm not bullshitting when I say that of every team, this team I see here looks like they have the most potential for greatness. Et c'est pas vous mentir de vous dire que l'équipe qui voilà, c'est celle qui a le plus grand potentiel. But you're gonna need to work different. Mais vous avez besoin de travailler différemment. And what I mean by that is if all your friends go out on the weekends to get fucked up, okay, and your team wants to be successful, maybe you don't do what everyone else is doing. Okay. No, that's all they're doing. What I mean is, if all of your friends, not in Vima, don't have what you want, sérieusement, en fait, si tous vos amis qui sont pas dans Vima n'ont pas ce que vous voulez, I need you to associate yourself with the people that also want to be great. Il veut que, en fait, vous associez avec les gens qui veulent aussi devenir très très successful. And surround yourself, submerge yourself in that culture. Because not everyone wants to be great. A lot of people want to do what's easy. Okay. Et justement, en fait, hébergez-vous, entourez-vous de ces gens-là qui veulent justement aller le plus possible, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut ça. But if you as a team can make this a priority, a top priority, et en gros, il faut que dans votre équipe à vous, ce soit vraiment la priorité. I want you to please accept, and this is so, so important, I want you to accept the fact that it can be fun, exciting, and easy to make more money than you can possibly believe for the rest of your life and not have to work ever again. Okay, c'est très important, il veut vraiment que vous compreniez que ça peut être très simple et très fun de faire autant d'argent que ça, qu'au final vous aurez jamais plus besoin de travailler pour le reste de votre vie. You can drive whatever kind of car you want, you can live wherever you want, you can be with whoever you want, and you can retire by 23 if you want to. I'm not kidding. I know, man. Vous pouvez conduire n'importe quelle voiture que vous voulez, habiter n'importe où vous voulez, être avec tous les gens que vous voulez. En plus de ça, vous pourrez partir à la retraite à 23 ans. But what will define that future is the time you put in right now. It's the time you put in right now that will define that life later. En gros, ce qui va vraiment déterminer votre vie future, c'est ce que vous allez faire là maintenant. And the second thing, we flew 6,000 miles to tell you. Second thing. Et la deuxième chose qu'ils ont à vous dire, et c'est pourquoi ils ont traversé tous ces 6,000 miles. We didn't know we were worth this much money before Vima, okay? He didn't know he was worth $300,000 a year. I didn't know I was worth this type of money. Aurelien, Martin, we didn't know this. Because before Vima, we were doing normal jobs. We were working like everyone else, doing the same thing. Okay, quand on a tous commencé, on pensait pas que grâce à Vima, on arriverait à ce niveau-là. On allait gagner autant d'argent grâce à ça. Dis le chiffre, ça, pour m'en choper. 300 000 $. Voilà. Par an. Donc, du coup, quand on a commencé, on pensait pas du tout en arriver là, pour une simple bonne raison, qu'on est simplement des gens normaux qui, avant Vema, faisaient des travaux normaux. Là. So, when Michelangelo sculpted Saint Peter out of marble, okay, everyone asked him, how did you do that? That's incredible. But what he said was, Saint Peter was there, I took off the excess pieces of the marble. Okay, donc quand Michel-Ange a sculpté son Saint-Pierre en marbre, il y a tout le monde qui lui a dit « Ouais, c'est trop beau, comment t'as fait ?» Et lui, il a tout simplement dit moi j'ai vu la grosse pierre, et j'ai vu la statue qui était déjà dedans, et j'ai tout simplement enlevé les pierres qui étaient superflues. So why we're here is because if we didn't know how much we're worth, how much of that excess marble can we take off out of each and every one of you? Et en gros, le simple fait qu'il soit là, c'est vraiment pour vous dire que on ne sait pas combien vous valez justement toutes ces pierres superflues qu'on pourrait enlever de vous. So how much greatness is within yourself that you don't even know about, because all you need is the right vehicle to take off those excess pieces that's already within yourself. Donc justement, jusque où vous pourrez aller, et ça se trouve, vous ne le savez même pas,
et ils vous montrent juste un simple véhicule justement pour enlever toutes ces pierres. So Vima can be that vehicle to allow you to figure out how much you're worth in life, because it did the exact same thing for us. Okay, donc Vima justement peut vous aider et peut être ce véhicule pour justement vous amener là où vous voulez être. Parce que ça fait exactement la même chose pour nous. So the people that make this a priority, I promise you, I promise every one of you, that in 6 months, you will be the one up here saying what I'm saying to a whole new group. And your bank account will be a little bit fatter too. Okay, donc si jamais vous prenez des mains comme vraiment une vraie priorité, ben, il vous promet que chacun d'entre vous, dans 6 mois, vous serez à notre place, en train de parler à une toute nouvelle équipe, sauf que dans 6 mois, bah, votre compte en banque sera un petit peu, voire beaucoup plus lourd. So follow these leaders, they know exactly what they're doing, follow their system, and success is destined. Merci beaucoup, I thank you. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des trucs, je sais pas. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci.